Ah ouais, ça tourne ça déjà. T'attends déjà. Déjà 40 secondes de rien, là. C'est que je ne suis pas Romain Morlot. Ouais, et je ne suis pas Gaël Liger. Par contre... Le son, c'est dans les doigts. C'est vrai. Voilà, on est où ? United Guitars Festival. Voilà. Première édition. Et du coup, bah, y a plein de gens qui proposent du matos. Donc, bah, on vous en fait faire le tour. Forcément, parce que voilà. Et on continue sur le United Guitar Fest, première édition. Je suis avec Guillaume de Toxic Instruments. Comment ça va ? Ça va très bien. Ouais. Ouais, deuxième jour, on est au taquet. Super. Bon, tu nous parles un petit peu de ce que tu fais, de ton parcours, de ta philosophie. Tout à fait. Donc, Toxic Instruments, c'est des guitares et des basses plutôt innovantes. Donc, innovantes dans le style et innovantes dans les solutions qu'on amène pour tous les musiciens. Donc on a différents modèles et puis on travaille sur base de customisation de nos modèles. Donc on se caractérise déjà sur un look qui est plutôt très rock'n'roll, très métal aussi. Donc on propose des choses, on aborde toujours l'instrument de manière un peu décalée. Donc c'est juste ce qu'on voit nulle part ailleurs. Donc cette guitare-là par exemple, elle a différentes... nouveauté, on peut la personnaliser en démontant ce qu'on appelle les cornes, là, sacs d'extrémité. Donc on peut passer du noir, là on a du orange. Et puis ensuite on amène des choses un peu plus particulières. Donc on va zoomer un peu. Donc ici on a intégré une sangle. Donc en fait c'est une chose qu'on a amenée pour les guitaristes. Ça évite de soit oublier sa sangle et surtout ça permet de régler à tout moment la hauteur de l'instrument. Donc, c'est-à-dire que pour celui qui est en répète, qui joue plusieurs heures, il va pouvoir ajuster la hauteur de l'instrument à tout moment. Okay. Puisqu'on a un frein en fait. Donc on a sécurisé l'instrument et ça permet de l'ajuster. On a aussi développé des systèmes sans fil numérique. Qui permettent d'envoyer le son dans les amplis ou ailleurs. Donc ça c'est intégré directement, donc il y a juste à mettre en route la guitare et puis jouer. Voilà, donc ça c'est la philo de Toxic Instruments. Voilà, on propose différentes solutions. Tu travailles avec des artistes actuellement ? Alors on est effectivement, on a endorsé un guitariste américain, ça s'appelle Tragedy, ils font des reprises de métal. On a travaillé aussi avec le guitariste de Malmore. Okay. Et puis là on a Manu, donc Emmanuel Malépart qui joue cet après-midi, donc on aura une démo. Donc ça nous permet aussi, nous, d'améliorer nos instruments, d'avoir tous les feedbacks, etc. Et puis aussi d'avoir des idées de leur part sur des choses qu'ils aimeraient avoir sur leur guitare. Oui, les trucs du recul qu'on n'a pas forcément quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dans les copeaux, entre guillemets. Exactement, parce que aussi on aborde l'instrument avec notre style de jeu, notre façon de voir la guitare. Donc fatalement, ça amène d'autres visions. Tu te souviens de ta première guitare électrique ? Je me rappelle de ma première guitare électrique, effectivement. Ouais. Alors, c'était quoi ? C'était une vieille copie de Strat qui sonnait mais vraiment pas bien. C'est un peu les guitares que tu trouvais dans les fêtes foraines, où tu testais le Graal, tu pouvais tir au ballon, là, tu pouvais choper. C'était ça, c'était horrible. Tu l'as toujours ? Non, je ne l'ai plus. Tu la regrettes peut-être ? Non. Même pas ? T'es tellement mauvaise que non, c'est bon. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. J'avais déjà à l'époque, j'avais coupé les têtes Fender avec l'arrondi, et j'aimais pas ça, donc j'avais coupé pour faire un style un peu plus agressif. Ouais. Mais bon, il n'y avait rien calé, quoi. Hein, Et la première guitare que tu as fabriquée entièrement ? Celle-là. Celle-là, c'est celle-là. Donc celle-là, elle appartient à Paul, c'est la première. Donc elle a quand même nécessité 1500 heures entre l'étude et la réalisation pour trouver le bon système de sangle, pour trouver les bonnes façons d'ajuster ici, parce que ça n'a pas de jeu, hein, tu peux voilà. Pareil, la liaison des joints en aluminium ici, donc il y a beaucoup de travail. Voilà, donc on a bossé. Donc ça c'est vraiment la première de A à Z. Ok, cool. L'artiste avec lequel tu adorerais travailler ? Toi ? Je te le souhaite pas, c'est l'idée, c'est que ça marche à un moment. Je m'attendais pas à ça. En vrai, sinon, un vrai mec qui a de l'actu, qui tourne, il y a un. Écoute,
j'ai pas de préféré, très honnêtement, avec le plus possible, parce que c'est tellement riche, il y a tellement de subtilités dans les jeux, il y a tellement d'approches différentes que plus j'ai de gens avec qui je bosse et plus moi je vais me faire plaisir, je vais apprendre, je vais etc. Donc après j'ai un style plus qu'un autre, tu vois. Qu'est-ce qui te botte justement? Ce qui me ferait kiffer, c'est Patrick Honda, par exemple, si je dois te donner un nom, tu vois, parce que ça m'a fait rêver quand j'étais ado, voilà. Exactement. Donc voilà, après, c'est... Mais en même temps, Paul Persson, si c'était du blues, voilà, c'est vraiment après, parce que c'est tellement riche, tellement varié, des approches totalement différentes, que voilà. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, musicalement? Est-ce que ça t'inspire aussi pour tes créations, pour la literie? Alors, en ce moment, j'ai kiffé sur Songs of Apollo, qui vient de sortir. J'ai aussi He's a Legend, qui est sorti l'année dernière, donc plutôt branché métal. Voilà, après, ouais, bon, en ce moment, c'est plutôt ça. Plutôt ça, cool. Ça qui nous branche, quoi. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.